Once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems. When I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast so. Et hello mon bande, c'est Shinoda 418 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise to War. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, de me laisser son avis en commentaire. Et si vous avez envie, n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça me ferait très 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 plaisir. Donc comme vous avez pu le voir, on a bougé un peu dans le nord pour en quête d'action en quelque sorte, parce que dans le sud c'était plié. Mais le sujet n'est pas là aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Dans la vidéo, le titre de la vidéo, on va s'intéresser au build de Théoden. Donc comme vous voyez, mon Théoden est R9, bientôt le R10, il me tarde. Avec bien évidemment niveau technique 4, donc niveau max. Je ne l'ai pas encore monté niveau 50, mais bon, vu qu'il est R9, je pense pouvoir vous montrer son build tranquillement. Donc c'est parti, on va aller voir son arbre de compétences. Donc alors, faites très attention parce qu'il y a des compétences qu'il faut choisir avant les autres. Je m'explique. En fonction des compétences que vous montez en premier, c'est ces compétences-là qui se... qui vont se déclencher en premier dans le combat. Donc là, par exemple, dégâts d'armée plus 15, je vous conseille de le monter en premier, parce que quand vous aurez des bonus de dégâts comme ici, on va d'abord partir de cette base-là. Donc, imaginons qu'on a une unité qui a 30 d'attaque. Bon, c'est très faible, 30, mais c'est un exemple. Donc vous avez le dégât plus 15, donc ça fait 45. Le bonus de 9,6% va s'appliquer aux 45 et non pas aux 30 de base. Donc c'est pour ça très important. Commencez donc par ce bonus là. Donc le maître des chevaux qui va du coup augmenter votre dégât d'armée et les unités montées en particulier plus 15. Et unités montées PV plus 5, donc c'est super cheaté. Vous pouvez également mettre une unité ennemie défense moins 25. Moi je l'ai pas monté à fond parce que en fait je me suis rendu compte que c'est bien, mais voilà, il y avait peut-être mieux à faire entre temps, donc j'ai augmenté celui-là, je vous en parlerai. Je vous conseille ensuite de monter plutôt celui-là en premier. Chaque manche, unité montée, 75% de chance de récupérer 45% de PV. Chaque manche récupère des PV. Également, je vous conseille de monter celui-là, puisque PV plus 5. Il me semble, sauf erreur de ma part, que ça va influencer le pourcentage ici. Si jamais j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me reprendre. Mais il me semble que c'est ça. Donc dans le doute, vaut mieux monter d'abord maître des chevaux. Ensuite meneur des hauts raids. Ensuite vous avez Rohirrim, unité montée, dégâts plus 9,6% chaque fois qu'elle inflige des dégâts. Effet modifié par la stat vitesse jusqu'à 3 cumuls. Et au niveau max, puissance plus 15, donc c'est vachement cheaté. Également unité montée dégâts reçus moins 14%, donc super. Je vous conseille aussi de mettre 2 points sur le renouvelé. Donc commandant et unité alliée 13,3% de chance de retirer un debuff aléatoire. C'est très peu, mais ça peut être efficace. Donc ça veut dire qu'en moyenne dans un match vous allez enlever un ou voire deux debuffs. Parce qu'en fait en général il y a 10 manches dans un combat, quand il n'est pas en égalité du moins. Donc 13,3% de chance, vous avez 1,3 fois, autant pour moi. Vous allez pouvoir enlever 1,3 debuff par match, donc c'est pas mal. Si vous voulez le monter encore, ça peut être intéressant, mais à mon avis, il y a d'autres choses à monter avant. Et surtout pour cet effet-là, inflige 40% de dégâts physiques, donc ça c'est très peu, mais une unité alliée au corps à corps, prochain dégâts reçu, moins 2%. Donc ça, c'est vachement puissant. Je trouve même que c'est même mieux que de baisser la défense. Après, ça reste à chacun de voir. Et ensuite, vous pouvez monter des routes. Donc, je répète l'ordre. Je vous conseille meneur des hauts raids en premier. Non, pardon. Excusez-moi. Maître des chevaux en premier. Meneur des hauts raids. Rohirrim. Talent de cavalier. Et là, ensuite, vous choisissez soit vous montez des routes. Le renouveler. Et également, posture défensive. Ça reste vraiment... du choix de chacun, c'est les bonus en quelque sorte. Je ne vous conseille pas de monter renfort. C'est vrai, à partir de la manche 7, 2 unités alliées, récupération de 17%. C'est très 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 puissant, mais il faut attendre la manche 7. Donc pour moi, c'est un effet qui va être très tardif, alors que là, vous avez directement des dégâts reçus moins dès le début. Donc pour moi, c'est plus intéressant. Je n'ai pas monté non plus toutes les items qui permettent au commandant de faire des dégâts, puisque ce n'est pas forcément l'atout principal de Théoden.
J'aurais pu aussi monter vitesse plus 4,2 et gagner l'initiative pendant le combat. C'est pas mal. En sachant que j'ai pas monté forcément les dégâts de Théoden, je pense mettre d'ici le niveau 50 au moins un point là-dessus pour gagner l'initiative. Ça va permettre de faire un petit peu de dégâts et faire moins d'ennemis dès le début, donc c'est pas mal. Je n'ai pas forcément monté coup au but, puisque pour moi, les 20% de chance, ça veut dire que dans un match, comme je vous ai dit, un combat qui part en égalité, ils vont pouvoir taper deux fois les 10%. C'est, pour moi, c'est pas... Enfin, pardon, deux fois. Si, il me semble que c'est deux fois. Oui, deux fois. Donc, pour moi, c'est pas forcément super utile. Ça va faire mal. Quand ça tape, ça va faire très très mal, par contre, parce que la compétence peut monter jusqu'à 50%, je crois, ou quelque chose comme ça, ou même 70%, donc ça fait très très mal. Mais je suis pas convaincu. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis tout ouïe, mon build n'est pas parfait, mais il fonctionne. Comme je vous ai dit, c'est un build, comme je vous dis tout le temps, c'est un build. Il y en a des milliers possibles. Au niveau des équipements, alors je vous conseille l'épée courte de chef. Ça, franchement, je pense que personne ne sera en désaccord avec moi sur ce choix-là, en termes d'équipement épique, du moins. Puissance du commandant, vitesse commandant, donc ça c'est vachement bien pour les unités montées. Et dégâts d'armes et corps à corps, plus 2, donc ça parfait, on a que des dégâts des unités au corps à corps. Unité alliée au corps à corps, dégâts infligés, plus 7,4%. Quand c'est au maximum, c'est plus 9%, donc ça fait très 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 mal. Ensuite, vous pouvez mettre code de maille d'éclaireur, moi je trouve que c'est vachement bien parce que ça augmente puissance et vitesse. Donc vitesse, surtout pour les unités montées, ça fait beaucoup de dégâts. Et vitesse encore, plus 12. J'aurais pu choisir une autre compétence bonus, mais je trouve que l'augmenter la vitesse encore, c'est vachement utile. Donc comme vous le voyez d'ailleurs, 308 de vitesse avec Théoden, c'est franchement pas mal. Ensuite, homme de cavalier, donc celui-là c'est le casque par excellence pour Théoden. Puissance du commandant, plus 20. Vitesse commandant, plus 20. Armée unité montée, plus 12 la défense, donc ça c'est vachement bien. Unité alliée montée, dégâts reçus, moins 5%, vachement cheaté. Et enfin, moi je vous conseille de mettre Lit Line, puisqu'il permet d'augmenter la puissance et la concentration. Surtout la puissance, c'est un des seuls mobs qui puisse augmenter la puissance et qui soit intéressant. Vous avez également celui-là, mais c'est dégâts d'armée à distance, et en plus je me rends compte que c'est que concentration. Il y en avait un autre, il me semble, qui augmentait... la puissance ou pas, d'ailleurs j'ai peut-être mal, voilà. Donc PV d'armée plus 2, toutes là les deux manches, une unité alliée récupère 99,9% de PV. C'est super cheaté, franchement, même si c'est qu'une seule unité, là franchement vous faites des massacres en plus de la qualité de soins de Théoden, ça peut être vraiment cheaté. Donc voilà, maintenant on va passer au niveau des troupes. J'imagine que vous savez déjà qu'utiliser Théoden, la meilleure façon, faction pardon, pour utiliser Théoden, bien évidemment, c'est le Rohan, avec leur T4, qui sont vachement cheatés avec Théoden, faut le dire. Je vous conseille aussi de pouvoir être avec le Gondor, ça peut être pas mal. Donc je vous conseille pour les T4 du Gondor d'en mettre 1000. Pourquoi? Parce que les T4 du Gondor sont vachement bien, mais ne font pas tant de dégâts que ça. Pourquoi mettre 1000? Parce qu'ils vont forcément tanker et permettre d'avoir toutes les monteurs de chevaux lors de la première manche, parce qu'ils font un dégât bonus, je vais vous montrer. Donc comme vous voyez, dégâts reçus, bon, moins 10% classique, et 3 premières manches, défense plus 100, pardon, encaisse les dégâts des attaques normales à la place des alliés, donc ça veut dire que toutes vos autres unités vont être safe pour la première manche, les 3 premières manches. Donc ça, surtout avec cette unité là, les monteurs de chevaux, c'est vraiment violent. Donc dégâts reçus moins 10%, donc classique. Première salve de dégâts infligés plus 50%. Donc ça veut dire que toutes vos unités que vous mettez grâce au chevalier du cygne vont taper. Donc ça peut être violent. Moi je vous conseille même d'en mettre plus. Là j'ai mis 1600. Mais vous pouvez diminuer les cataphractaires et en mettre 1800, 1900, même 2000 si possible. Ne diminuez pas trop non plus. Laissez un 1000 et 1000 au minimum, je vous conseille, pour pouvoir quand même continuer à taper après. Mais franchement ils sont vachement cheatés. Très 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 fragiles par contre. Vraiment au niveau des PV de la défense, c'est vraiment pas top. Mais grâce aux différents items que j'ai mis avec Gandalf, les dégâts, les PV et la défense sont bien augmentés, donc ça c'est cool. Et enfin les cataphractaires, donc dégâts reçus des unités au corps à corps, moins 15%, donc ça c'est bien aussi. Ça veut dire qu'ils vont survivre plus longtemps. Et comme vous le voyez, les PV de 101, donc c'est largement plus que les monteurs de chevaux. Donc ça veut dire qu'en mettant plus de monteurs de chevaux, vous allez faire plus de dégâts mais avoir plus de pertes. C'est logique.
Mais si vous voulez vraiment être safe, moi je vous conseille de monter les 4 infractaires plus que les monteurs de chevaux. Mais du coup, vous ferez moins de dégâts. Donc ça, c'est un choix, comme d'habitude. Pendant que je finis cette vidéo, je vous fais l'outro. Je vous montre en même temps des screens de quelques batailles que j'ai pu faire avec Théoden. J'en ai pas énormément puisque c'est de plus en plus compliqué de faire des victoires nettes. Je m'explique. Ce que je vous ai montré, c'est des victoires vraiment très nettes pour que vous puissiez comprendre que le build est vraiment violent. J'ai fait d'autres victoires aussi un peu plus serrées, voire des fois des égalités très très proches. Je ne les ai pas forcément mises parce que bon, c'est pas forcément intéressant. Les joueurs que j'ai affrontés sont vraiment bons. La plupart ont des équipements en or très bien améliorés, très bien raffinés. Donc c'était des batailles très très serrées pour la plupart. Et vous voyez, comme vous avez pu le voir, comme vous le voyez actuellement, Théoden se débrouille très 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 bien. Donc voilà, comme vous le saviez peut-être ou peut-être pas, Théoden pour moi c'est, et pour la communauté d'ailleurs, c'est le plus fort de DT2. On se demande même pourquoi il n'a pas été T3, parce qu'il est tellement cheaté que franchement c'est un incontournable du côté du bien en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le like, à mettre votre avis en commentaire. Partagez-moi également vos builds de Théoden. Dites-moi si vous avez des meilleures versions ou d'autres versions. Je suis très 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 curieux parce que le but c'est de pouvoir créer les meilleurs builds possibles pour gagner le plus souvent possible. Faut pas se mentir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.